L'épisode d'aujourd'hui de la chaîne aborde un autre sujet intrigant, puisque nous allons découvrir 10 créatures préhistoriques qui errent encore sur cette planète. Oh, here comes the face. Is that his head right there? No, that's the rump end. Numéro 10. Babiroussa. Les Babiroussa ressemblent un peu aux cochons qu'on connaît, sauf que les mâles ont des défenses gigantesques qui montent au-dessus du museau. Les défenses de la mâchoire supérieure poussent vers le haut, perçant la peau en se recourbant. Les défenses inférieures des Babiroussa poussent également vers le haut, ce qui fait que l'animal ressemble un peu à la version porcine d'un orque. Corpulent et à queue courte, il mesure de 65 cm à 80 cm au niveau de l'épaule. Il a une peau rugueuse et grisâtre, et presque glabre. Sa caractéristique la plus notable est le développement exagéré des canines supérieures et inférieures, c'est-à-dire les défenses du mâle. Le Babiroussa est un animal docile, qui chasse la nuit dans la jungle dense. Il court vite et nage bien. Lorsqu'il cherche de la nourriture, il gratte le sol près des rivières et dans les marécages. Les Babiroussa sont si vieux qu'ils apparaissent sur les peintures rupestres indonésiennes, qui datent d'il y a environ 35 000 ans. Le Babiroussa est considéré comme comestible, et il est souvent chassé dans ces régions. Numéro 9. Fourmi Martialis Eureka. Je sais que vous avez déjà vu des fourmis, mais la Martialis Eureka est une espèce de fourmi unique en son genre. Cette créature unique a été découverte en l'an 2000 dans la forêt amazonienne près de Manaus au Brésil. Cette petite créature vit sous la terre et étonnamment, elle est aveugle à 100%. Pour cette raison, et à cause d'une morphologie inhabituelle, elle a reçu le nom générique de fourmi de Mars. Ces fourmis créent d'immenses systèmes de tunnels souterrains où elles passent leur vie, attendant que la nourriture vienne à eux. Les fourmis Martialis Eureka appartiennent à l'un des plus anciens pools génétiques traçables et on estime qu'elles errent sur Terre depuis environ 120 millions d'années. Je sais que vous vous demandez comment elles se déplacent puisqu'elles sont aveugles. Vous ne trouvez pas ça époustouflant? Numéro 8. Requin lutin. Le requin lutin est une autre créature ancienne de la famille des poissons. Ils vivent tout au fond de l'océan, le long des plateaux continentaux. Ces animaux roses peuvent atteindre 3,60 m de long et peser jusqu'à 209 kg. Une chose notable pour laquelle ils sont connus est leur méthode pour attraper des proies. Et c'est la méthode la plus terrifiante qui soit, car elle consiste à sortir la mâchoire de leur gueule. La mâchoire est reliée à des lamelles de peau de 7 cm de long qui peuvent se déployer à partir de leur museau. Ils s'avancent ensuite pour attraper leur proie entre leurs dents. Après avoir avalé le repas, le requin remet sa mâchoire dans la bouche et s'en va à la nage. Les premiers ancêtres du requin lutin ont vécu il y a environ 125 millions d'années. Numéro 7. Dragon de Komodo. Il s'agit d'une espèce spéciale de lézard que l'on trouve dans les îles indonésiennes de Komodo, Rinca, Flores et Gili Motang. C'est un membre de la famille des Varanidae, qui est la plus grande espèce de lézard existante et qui peut atteindre une longueur maximale de 3 mètres et dans de rares cas peser jusqu'à 70 kg. Avec un tel poids, ces lézards dominent les écosystèmes dans lesquels ils vivent. Les dragons de Komodo ont été enregistrés pour la première fois par des scientifiques occidentaux en 1910. Leur grande taille et leur redoutable réputation est vraiment unique, ce qui en fait des animaux d'exposition populaire dans les zoos. Le fait est que ces gigantesques lézards peuvent peser autant, voire plus qu'un humain. Pour les personnes courageuses qui regardent cette vidéo, je vous suggère de prévoir une visite au zoo pour admirer cette gigantesque créature. Numéro 6. Le bec en sabot du Nil. C'est un très grand oiseau, ressemblant à une cigogne, avec un énorme bec en forme de chaussure. L'adulte est principalement gris, tandis que les juvéniles sont plutôt bruns. Il vit dans de grands marécages situés autour de l'Afrique tropicale orientale, du Sud-Soudan à la Zambie. Le bec en sabot est un oiseau de grande taille, dont la dimension typique varie entre 1,10 m et 1,20 m. Un fait amusant, les ailes du bec de sabot sont maintenues à plat pendant qu'il vole, avec son cou rétracté. Son taux de battement est estimé à 150 battements d'ailes par minute. Cependant, cette espèce est l'une des plus lentes de tous les oiseaux, à l'exception de la grande cigogne. Le bec en sabot est connu pour ses mouvements lents et sa tendance à rester immobile pendant de longues périodes, ce qui lui vaut aussi d'être qualifié de statue. Il est très sensible aux perturbations humaines et peut abandonner son nid si l'homme le chasse. Numéro 5. Chameau sauvage de Bactriane.
Vous connaissez certainement les chameaux à une bosse, qui étaient utilisés comme moyen de transport dans le passé. Les chameaux de Bactriane sont comme eux. Ils sont longs, avec des narines étroites et fendues, une double rangée de cils longs et épais, et des oreilles avec des poils, pour se protéger des tempêtes de sable du désert. Ils ont des pieds solides avec de gros orteils bien espacés et une couche cornée qui leur permet de marcher sur des terrains pierreux ou sablonneux, rudes et chauds. Leur pelage épais et hirsute change de couleur pour devenir brun clair ou beige en hiver. N'est-ce pas tout simplement cool? Ils se déplacent en groupe de 30 individus maximum, en fonction de la quantité de nourriture disponible. Leur durée de vie est d'environ 40 ans et ils se reproduisent principalement en hiver, avec quelques chevauchements pendant la saison des pluies. Cependant, ils sont en danger critique d'extinction dans la nature, avec moins de 1000 individus restants, selon l'UICN. Numéro 4, le bœuf musqué. Le bœuf musqué est un mammifère arctique à sabots, de la famille des Bovidae. Ils sont revêtus d'un manteau, dont celui des mâles dégage une odeur musquée pendant le rude saisonnier. On pense que cette odeur attire leurs compagnes pendant la saison des amours. Une odeur séduisante donc. Les bœufs musqués mâles et femelles ont de longues cornes courbées, d'une hauteur d'environ 1,10 m à 1,50 m au niveau des épaules. Ils mesurent entre 1,35 m et 2,50 m de long, avec une petite queue, souvent dissimulée sous une couche de fourrure, d'environ 10 cm de long. Les adultes pèsent en moyenne 285 kg et leur poids varie de 180 à 410 kg. C'est un mystère de savoir comment ces animaux existent encore et survivent, car on estime qu'ils existent depuis 129 000 à 187 000 ans. Numéro 3, échidné. Si vous avez déjà vu un porc-épic, l'échidné ne vous sera pas étranger. C'est un mammifère solitaire de taille moyenne, couvert de poils grossiers et d'épines. Ils sont généralement de couleur noire ou brune. Plusieurs cas d'échidnés albinos, aux yeux roses et aux épines blanches, ont été signalés. Ils ont une caractéristique deux en un, où leur museau allongé et mince fait office de bouche et de nez. Les échidnés ont la phobie des températures extrêmes. Ils se réfugient donc dans des grottes et des crevasses rocheuses pour se protéger des conditions climatiques difficiles. On trouve les échidnés dans les forêts et les zones boisées. Ils se cachent sous la végétation, les racines ou des tas de débris. Car ce sont les seuls mammifères qui pondent des œufs, appelés monotrèmes. La durée de vie moyenne d'un échidné dans la nature est estimée à environ 14 à 16 années. À maturité, une femelle peut peser jusqu'à 4,5 kg et un mâle jusqu'à 6 kg. Il nous reste maintenant à découvrir deux créatures intrigantes. Vous ne voulez pas manquer ça. Croyez-moi, vous n'avez probablement jamais entendu parler d'elles auparavant. Allez, c'est le moment de les découvrir. Numéro 2, Nautilus pompilius. Avez-vous déjà vu un extraterrestre? Le Nautilus pompilius est une créature d'apparence extraterrestre, qui a la forme d'un tire-bouchon. Cet animal vit dans les profondeurs de l'océan autour de l'Australie et de l'Indonésie. Mais si vous vous trouvez dans la région du célèbre aquarium de Monterey Bay en Californie, vous pouvez voir ces anciennes créatures de près. Elles comptent parmi les plus anciens animaux du monde, puisque des fossiles vieux de 500 millions d'années ont été découverts. Et ils ont toujours la même apparence que leurs ancêtres. Les nautiles sont principalement des habitants mobiles des fonds benthiques. En effet, ils se déplacent verticalement dans la colonne d'eau en ajustant leur flottabilité grâce au niveau d'eau et de gaz dans leur chambre, et en nageant également grâce à leur propulsion par jet. Leurs yeux sont plutôt simples, car ils sont dépourvus de lentilles ou de cornées. Ils fonctionnent selon un procédé chimique. Ils localisent surtout leur nourriture grâce à leur repère visuel. Et numéro 1, la lamproie. Je vous parle ici d'un poisson sans mâchoire, la lamproie marine. La lamproie adulte est caractérisée par une bouche dentelée et une succion en forme d'entonnoir. Le nom commun lamproie est dérivé du latin lampreta, qui signifie lécheur de pierre. Elle a la forme d'une anguille ou d'un serpent d'eau. Il existe environ 38 espèces connues et 5 espèces éteintes. Les espèces carnivores parasites sont bien connues et se nourrissent en s'enfonçant dans la chair d'autres poissons pour leur sucer le sang. Le plus ancien fossile de lamproie découvert en Afrique du Sud a été daté à quelque 360 millions d'années et présente une ressemblance frappante avec les espèces modernes. Environ 18 espèces de lamproie s'adonnent à ce mode de vie micro-prédateur, dont 9 migrent de l'eau salée vers l'eau douce pour se reproduire. Les 9 autres vivent exclusivement en eau douce.
Toutes les formes non carnivores sont des espèces d'eau douce. Les lamproies vivent principalement dans les eaux côtières et douces et se trouvent dans la plupart des régions tempérées. Il y a des tonnes d'autres créatures préhistoriques qui sont tout aussi intrigantes que celles-ci. Sachant qu'il existe environ 9 millions d'espèces dans le monde aujourd'hui, beaucoup ont disparu, mais on en découvre encore d'autres. Vous feriez bien d'appuyer sur le bouton like et de vous abonner à cette chaîne pour être averti instantanément de la publication d'une nouvelle vidéo. Nous voulons savoir ce que vous avez pensé de cette vidéo. Dites-le nous dans les commentaires.